apprécions ta présence. Nous apprécions ta main. Les œuvres de ta main. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges. Toute la gloire, l'honneur à toi. Pour le siècle au siècle. Je vois quelqu'un lever bien ses mains. Déclare après moi, Seigneur, agrée l'élévation de mes mains ce soir comme une offrande du soir. Fais-le la dernière fois, Seigneur, agrée l'élévation de mes mains comme une offrande du soir. Hommage à toi, Saint-Esprit, pour ma transformation ce soir, pour ma révolution ce soir, pour ma délivrance ce soir, pour ma guérison ce soir, pour mon miracle ce soir, pour ma bénédiction ce soir, pour mon élévation ce soir. Hommage à toi, Saint-Esprit, pour les profondeurs, les mystères dans lesquels tu m'introduis. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort. Alléluia. On reste debout. Matthieu 6. Matthieu 6, 6 à 9. Tout à l'heure, j'ai écouté beaucoup de révélations que mon fils Israël donnait ici. Et je bénis Dieu pour ça. C'est la preuve que l'enseignement est en train d'être compris. Amen. Et il faut que vous le compreniez. Matthieu 6, le verset 6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais te parler par la grâce de Dieu dans quelques minutes et on va prier. Qui a été béni depuis mercredi? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La prière, je le répéterai toujours, la prière, c'est d'abord une affaire de relation, de communion, d'intimité avec notre Père Céleste. Je suis encouragé à prier, pas d'abord pour des choses matérielles, mais par la prière, j'entretiens ma relation, ma communion, mon intimité avec le Seigneur. Amen ou pas amen. Amen. Quand tu comprends cette révélation, j'insiste, tu ne te fatigueras jamais de prier. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de quoi? De prière. Donc toi, tu seras toujours une maison de prière. Parce que tu as compris que je prie pas d'abord pour les choses matérielles. Parce que mon Père connaît tous ses besoins. Donc alléluia. Amen. Mais je prie pour ma relation, mon intimité, ma communion avec le Seigneur. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Quand tu atteins ce niveau, la prière deviendra un style de vie. Tu ne seras pas fort en prière qu'au mois d'octobre. Quand ce mois passera, la flamme va demeurer. J'allais même bien dire, la flamme sera toujours croissante. Pourquoi? Je ne prie pas
pour les choses matérielles d'abord. Ma relation, mon intimité, ma communion avec le Seigneur. Amen ou pas amen. Amen. Je vous ai dit, prier, c'est parler à une personne très importante. Je parle de notre Dieu. Et parce que nous avons compris cela depuis hier, nous sommes arrivés avec vous sur une conclusion. C'est que quand on prie, on doit réaliser qu'on est devant Dieu. L'église m'entend? Amen. À chaque fois que tu pries, chez toi à la maison, sur la route, ici à l'église, aie directement ces réflexes-là. Je suis devant Dieu. Pourquoi? Parce que la prière, c'est parler à une personne très importante. Et quand tu as ce réflexe que je suis devant Dieu, il y a des attitudes que tu auras et il y a d'autres attitudes que tu n'auras pas. Je parle à quelqu'un? Il y a une façon de faire et il y a une autre façon que tu ne feras pas. Amen ou pas amen. C'est ainsi nous arriverons avec vous à un niveau où, avant même que le culte ne commence, ceux qui sont déjà dans les temps commencent déjà à chanter, commencent déjà à acclamer, commencent déjà à parler à Dieu. Alléluia. Et quand c'est le moment de la prière, tu ne laisseras pas les autres prier. Tu ne laisseras pas les autres louer. Tu ne laisseras pas les autres danser. Autant les autres prient, tu prieras aussi. Autant les autres louent, tu loueras aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je prie, c'est d'abord pour ma relation, ma communion, mon intimité. Amen. 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 Et Jésus nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, quand tu commences la prière, quand tu dois prier, ne présente pas d'abord directement tes besoins, tes problèmes. Comme Israël disait, salut d'abord. Amen. Alléluia. Je te célèbre, je te loue, je t'adore, je te glorifie. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Je parle à l'église. Amen. Je parle à l'église. Amen. Dis à ton voisin, loue-le d'abord. Saint-Jean-Louis. Dis-lui encore, remercie-le d'abord. Dis-lui, reconnais d'abord ce qu'il a déjà fait. Dis-lui, bénis-le encore très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, loue-le d'abord. Dis-lui encore, loue-le d'abord. La deuxième de choses que j'aimerais vous dire, quand tu comprends que le moment où tu pries, tu es devant Dieu, la deuxième de choses, Dieu aime les personnes qui sont confortables devant sa présence. Amen. Dieu apprécie ceux qui sont confortables chez lui, ceux qui sont à l'aise devant sa présence. Dieu, il aime. Dieu est impressionné par des personnes confortables, à l'aise, libres, détendues, connectées. Quand ils sont dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Aide-moi, secoue ton voisin. Dis-lui, Dieu aime quand tu es confortable. Dis-lui, Dieu aime quand tu es à l'aise. Dieu aime quand tu es libre. Dieu aime quand tu es détendu. Il ne faut pas être dans la présence de Dieu comme si tu étais dans une prison. Non. On n'est pas au boulot ici. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu aime ceux qui sont à l'aise, ceux qui sont confortables. Amen. Amen. Et quand tu atteins ce niveau église, suivez-moi très bien, tu ne seras pas pressé de partir. Si Dieu ne t'a pas dit de partir. Je vous amène une vie. Amen.
Amen ou pas amen? Amen. Quand tu es confortable, à l'aise, d'être dans sa présence, tu ne seras pas pressé. Tu as bien parlé. Amen. Tu ne seras pas pressé de partir. Amen ou pas amen? Amen. Écoutez-moi, même dans la vie réelle, c'est quand tu sais que tu as des problèmes, admettons, avec le bien-aimé, quand tu sais que tu as des problèmes avec lui, déjà, sa voix seulement, elle te met déjà mal à l'aise. Vrai ou faux? Donc, quand tu es là, tu l'entends parler là-bas, au bureau, tu es mal à l'aise. Et dès qu'il se rapproche un peu, toi, tu as envie de partir. Pourquoi? Il y a un problème. Mais quand il n'y a pas un problème, on a envie de rester ensemble. On a envie de se parler. En fait, au-dedans de nous, on est à l'aise d'être avec l'autre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne seras pas mal à l'aise. Tu ne seras pas dérangé dans sa présence. Et tu lui donneras du temps. Regarde ton voisin, dis-lui, donne à Dieu du temps. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien, donne à Dieu du temps. Amen. Exode 24. Je vais vous faire voir quelque chose. Exode 24. Exode 24, 12 à 18, on peut lire. Saron del cravado clarisha papa, suprada gaete. On peut lire. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Ah, dit Dos Kavida. Est-ce que je dois dire ça aujourd'hui? Moïse s'éleva avec Josué qui les servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée la couvrit. Moïse a fait quoi? Il est monté. Regardez la suite. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de quoi? De la nuée. Attendez avant qu'on aille plus loin. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit à Josaphat, monte à la montagne, je vais te parler. Mais depuis que Josaphat est monté, la gloire est là. Mais Dieu n'est pas encore descendu. Il est resté 6 jours. Dieu qui l'a invité à la montagne n'est pas encore descendu. C'est au 7e jour que Dieu descend. Amen. Donc, il suffisait que Moïse dise, mais Dieu m'a envoyé ici. Mais c'est lui qui m'a dit de monter. On est 2e jour. Il est où? 5e jour. Il est où? Je vais descendre. Au 7e jour, Dieu allait descendre. Moïse allait rater. L'église comprend ces mystères. Amen. C'est Dieu qui te dit monte à la montagne. Mais Dieu descend le 7e jour. Si tu n'es pas confortable dans sa présence, tu vas te retirer. Je ne sais pas si vous comprenez ce mystère. Si tu n'es pas confortable, tu vas te retirer. C'est au 7e jour. Allons-y. 7e jour, Dieu maintenant descend. Regardez-moi, église. Je vous prêche une vie.
Après ici, tu peux commencer à prendre des temps et des temps de prière. Tu dis, bon, je vais prier de nuit comme Jésus a fait. Je vais prier de nuit comme Moïse. Je vais prier de nuit comme Anne. On a vu toutes ces choses avec vous, n'est-ce pas? Tu sais que tu peux commencer à prier minuit, 2h, 3h, 4h du matin, rien. 5h, même jusqu'à 6h, rien. Mais c'est quand tu veux dire Amen à 6h que la chose descend. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez même, même la prédication comme on prêche. Il y a des moments où, quand c'est 10 heures, je dois monter pour prêcher. Mais il y a des moments aussi, il est 10 heures, je ne monte pas. J'ai dit au Saint-Esprit, prends d'abord cette place. Amen. Tu parles à quelqu'un? Amen. Dieu lui dit, monte à la montagne. Mais c'est le septième jour que Dieu descend. Lisons la suite, je voulais juste vous montrer quelque chose. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de quoi? De la montagne aux yeux des enfants d'Israël. La suite, 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne combien de jours? 40 jours et 40 nuits. En vérité, Moïse a fait combien de jours? 47. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oh mon Dieu. En vérité, il a fait combien de jours? 47. C'était 40. Maintenant, c'est 47. Amen. Si tu n'es pas confortable, tu n'accepteras pas ça. Je ne sais pas si je parle à l'église. Vous qui voulez voler loin dans la vie de prière, les choses sont programmées par Dieu, par sa volonté, par l'obéissance à la mouvance de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin, sois confortable dans sa présence. Si tu lui parles bien, tu vas m'aider. Dis-lui, sois très confortable dans sa présence. Sois confortable. Sois à l'aise. Sois libre. Sois détendu. Sois connecté. Ne sois pas quelqu'un qu'on force. Et donne-lui du temps. Dieu aime ceux qui lui donnent du temps et qui ne sont pas pressés de partir ailleurs. Je répète, Dieu, il aime ceux qui lui donnent du temps et qui ne sont pas pressés de partir ailleurs. Je répète encore, je parle prophétiquement. Dieu, il aime, il est impressionné par ceux qui lui donnent du temps et qui ne sont pas pressés de partir ailleurs. Tu peux être là, ça fait 5 jours, mais c'est au 7e jour que Dieu descendra. J'ai dit, tu peux être là, ça fait 6 jours. Mais c'est au 7e jour que Dieu va descendre. Je vais dire quelque chose. Quand tu atteins ce niveau, toutes tes prières seront des prières faites au sommet de la montagne. Même si tu es dans ta chambre à coucher, tu es à un sommet de montagne. Et écoutez-moi, église. Amen. Toute rencontre avec Dieu au sommet, toute rencontre avec Dieu au sommet, premièrement, ça te gardera au sommet. Deuxièmement, quand tu descendras, tu auras les tablettes entre tes mains. Mon Dieu. J'ai dit, tu auras les tablettes entre tes mains. Écrites de la main de Dieu. Amen. Je peux ouvrir une parenthèse, je ferme. Je peux ouvrir, je ferme.
Ça, c'est la première fois que Dieu appelle Moïse à la montagne, c'est ça, non? Quand Moïse descend, il trouve qu'il y a les veaux d'or, il casse les tables, c'est ça? Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Genèse 34, Dieu appelle encore Moïse. Non, c'est pas pour aujourd'hui. Non, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. On peut avancer? On peut avancer? Luc chapitre 3, verset 21. C'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Luc 3, 21. Ne vous en faites pas pour Zoé. Il connaît cette église, maman. Amen. Hein? C'est lui qui va trouver ça gênant. Il n'a pas encore mis au monde. Et si tu as déjà mis au monde, les enfants dérangent. Mais c'est non, je te comprends. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit, tous les peuples se faisaient baptiser, Jésus aussi. Jésus fut aussi baptisé. Et quand il priait, le ciel s'ouvrait. Amen. Pourquoi le ciel s'est ouvert? Parce que Jésus a fait quoi? Amen. Mais je t'amène un peu plus loin. Au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on prie, on monte dans les sphères spirituelles. Amen. Amen. Pour que le ciel s'ouvre, ça veut dire la prière de Jésus là. Céder à certaines sphères spirituelles pour déclencher l'ouverture du ciel. Je parle à quelqu'un. À chaque fois que tu pries dans les sphères spirituelles, il y a des choses qui se passent. Amen. C'est ainsi, écoutez-moi, église. Il y a des gens ici. Tu verras que plus tu commences à prier, tu es comme trop attaqué. Amen. En fait, la vérité c'est quoi? Oh, je sens la nuée. Amen. La vérité c'est quoi? Ces attaques-là existaient toujours. Mais c'est ton niveau spirituel qui était trop bas. Maintenant, plus tu pries, tes radars spirituels sont activés. Tu vois, ton esprit est allumé, ton esprit est éveillé. C'est normal maintenant que tu commences à capter des choses, à sentir des choses. Tu sens comme si on veut t'attaquer la nuit. Tu sens comme ça existait toujours, mais c'est ton niveau spirituel qui était trop bas. Parce que quand on prie, j'insiste, on monte dans les sphères spirituelles. Amen. Amen, papa. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire ce soir que la prière opère dans le domaine spirituel. Amen. Amen. J'ai dit la prière, elle opère dans le domaine spirituel. C'est comme ça, quand tu pries, il y a des choses que tu es en train d'interrompre. Il y a des choses que tu es en train d'arrêter. Il y a des choses que tu es en train d'anticiper. Il y a des choses que tu es en train de renverser. Tu ne les vois pas physiquement, mais spirituellement, il y a des choses qui se passent. Amen. Tout le monde se faisait baptiser. Mais Jésus a compris que son baptême doit être différent. Il a prié. Je peux t'annoncer une bonne nouvelle. Quand Jésus priait là, il ne priait pas que pour lui. D'ailleurs, il n'était pas venu sur la terre pour lui. Quand il priait là, en vérité, c'était pour nous qu'il priait. Oh mon Dieu, j'ai dit, c'était pour nous qu'il priait. C'est pourquoi le ciel s'ouvrit. C'était pour nous qu'il priait. Dans cette prière-là, Jésus nous engageait, nous aussi, aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes une génération qui opère sous un ciel ouvert. Pourquoi le ciel est ouvert? Parce que Jésus a prié déjà pour moi. Mon ciel à moi, il est ouvert. Le ciel de cette église est ouvert. Le ciel de ta famille est ouvert.
Depuis que Jésus a prié, sa prière là, elle n'est pas restée que sur lui, mais elle concernait même les générations à venir. Cet amen ne m'a pas vraiment rassuré, tu sais. Hey, rassure-moi par ton amen. Quand nous prions Évariste, nous changeons les choses dans les sphères spirituelles. Nous interceptons des choses. Tu es très fatigué. Hein? Parce que tu es arrivé quelque part. Tu as cogné une principauté. Tu as renversé une domination. Et quand tu reviens dans les physiques, tu as comme des malaises. Certains même tombent malades. Alléluia. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Maintenant, quand tu vois beaucoup de petits démons t'attaquer la nuit et tout, dis-toi, je les laissais trop tranquilles. Quand je ne priais pas là, ils étaient trop tranquilles. Maintenant, ils sont agités parce que je prie. Qui comprend la révélation? Ils sont agités parce que maintenant, je fais quoi? Je prie. Ma prière affecte les choses dans les sphères spirituelles. J'ai dit à quelqu'un, quand Jésus a prié là, il a prié aussi pour nous. Moi et toi, on opère sous les ciels ouverts. Qui est d'accord avec cette parole? Regarde ton voisin, dis-lui, j'opère sous un ciel ouvert. Dis-lui, je vis sous un ciel ouvert. Mais ce message aussi, parce que quand il a prié, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Sous une forme corporelle de la colombe. Amen. Ce passage veut dire aussi, que à chaque fois que nous prions, nous activons la pluie des bénédictions. Amen. À chaque fois que nous prions, nous activons la pluie des bénédictions spirituelles, physiques, financières, matérielles. C'est comme ça qu'on a vu l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe. Amen. À chaque fois que tu pries, tu actives. Il y a une pluie qui va descendre. La pluie de bénédiction financière, matérielle, dans la santé, dans tous les domaines. Dieu t'affecte. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Regarde ton voisin, dis-lui maintenant, en tout temps, prie. Oh, dis-lui encore bien, en tout temps, prie. En tout temps, prie. Quand nous prions, il y a la pluie. Amen. Il y a la pluie. Et je sens la pluie. Il y a la pluie. Je sens quoi? La pluie. Il y a la pluie. Il y a la pluie des bénédictions spirituelles, financières, matérielles. Qui doit te mouiller? Elle doit te mouiller. Elle doit te mouiller. Et puis ce n'est que toi d'abord qui dois être mouillé. Parce que Jean avait reçu les signes. Que celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? En sortant de ces lieux, je t'annonce la prophétie. Amen. C'est que spirituellement, alléluia, tu es totalement mouillé. Amen. Est-ce que tu entends ce que je vois? Amen. J'ai dit, en sortant de ces lieux, au fait, tes habits sont secs, mais ta vraie vie, elle est mouillée de la pluie des bénédictions spirituelles, physiques, financières, matérielles. Elle est mouillée. Parce que la prière, elle déclenche ces choses. Amen. Qui comprend ce que j'ai dit? Dis à ton voisin, prie. Dis-lui encore, prie. Dis-lui encore bien, prie. Tout le monde se faisait baptiser. Mais Jésus a compris que dans son baptême à lui, il doit prier. Qui comprend la différence? Qui a compris la différence? On peut avancer un peu? Maintenant, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez Esther 7, le premier jusqu'au troisième verset qu'on a lu hier, même quand la fête a été organisée à l'honneur du roi, mon fils Arthur, vous allez vous rendre compte que Esther n'a pas provoqué d'exposer son besoin au roi.
Lisez la Bible. C'est le roi encore. Qui revient vers Esther. Qui dit, mais dis-moi, non. Tu veux quoi? Même si c'est la moitié du royaume, il revient encore. Je vais te donner. Écoute-moi. Quand tu as bien compris le sens de la prière, et une prière qui commence par la louange, l'adoration, la célébration, il est de ces choses. Ce n'est plus toi qui le diras à Dieu. Dieu lui-même commencera à regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Elle manque quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Ah, je ne sais pas si j'ai parlé. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je dois lui donner? Elle a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Ah, parce que cette louange, cette adoration, j'ai tellement apprécié ça que je dois maintenant voir dans sa vie qu'est-ce qui manque afin de combler cela. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Amen. C'est ça en fait. Alléluia. Amen. Et quand ce miracle-là va arriver, il y aura des témoignages. Amen. Ton voisin dit lui, fais de ta maison une chambre haute. Alléluia. Dis-lui encore bien, fais de ta maison une chambre haute. Et même si tu as une grande maison qui a beaucoup de chambres, hein? Mets à part une chambre. Tu dis, ça c'est ma chambre haute. Alléluia. Oh, si, si, oh, c'est bien. Mais à un moment, tu dis, je dois avoir aussi quoi? Une chambre haute, un coin là. Quand j'entre là-bas. Je sais seulement quand j'entre. Je ne sais pas quand j'entre. Mais quand je sors, il y a une gloire qui rayonne. Alléluia. Il y a des tablettes de gloire dans mes mains. Et il y a des tablettes de gloire dans mes mains. Et il y a des tablettes de gloire dans mes mains. Je parle à quelqu'un ce soir. Regarde encore ton voisin, dis-lui, prie. Dis-lui encore bien, prie. Dis-lui encore bien, prie. Alors, écoute-moi. Je dois au moins te dire deux, trois choses sur la visitation divine. Et on continuera. Je fais les deux. Je mets les deux au même moment. Amen. Genèse chapitre 50, verset 24. Genèse 50, 24. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci. Dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Le verbe visiter en hébreu veut dire pakad. Pakad, P-A-K-A-D. Pakad veut dire prêter attention. Pakad veut dire prendre soin. Prêter attention. Prendre soin. Ça veut dire quand Dieu veut visiter. Qui comprend quelque chose? Amen. Quand Dieu veut visiter Évariste, ça veut dire Dieu veut prendre soin de ta vie à une autre dimension. Dieu veut prêter attention à ta vie. Oh, je ne sais pas qui je parle, mon Dieu. Amen. Dieu veut prêter attention. Dieu veut prendre soin de ta vie à une autre dimension. Amen. Qui est prêt pour la visitation? Amen.
Déclare après moi, oh Dieu, oh Dieu, visite-moi ce soir. Visite-moi ce quand soir. Dieu nous visite, okay. Nos vies ne restent pas les mêmes. Pourquoi? Dieu veut prendre soin de nos vies. Dieu veut prendre soin de nos problèmes. Quand Dieu nous visite, Dieu a une autre attention sur nos vies. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand Dieu visite, au fait, Dieu s'ingère dans nos problèmes. Il s'ingère dans nos combats. Il s'ingère dans nos difficultés. Nos problèmes deviennent ses problèmes. Nos ennemis deviennent ses ennemis. Nos combats deviennent ses combats. Amen. Qui comprend cette révélation? Amen. Regarde ton voisin, Dieu veut te visiter. Dis-le encore bien, Dieu veut te visiter. Quand Dieu veut visiter, il veut prêter attention au trément. Il veut prendre soin de ta vie au trément. Amen. Exode chapitre 3. Exode 3. Lozi cry di valosh baka pray di kelina. Exode 3:6. On va lire. Tukutanga. J'ai dit deux, trois choses, on prie par la grâce de Dieu. Amen. On peut lire. C'est Dieu avec Moïse à la montagne. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de qui? De Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le septième verset. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voyez, ce passage a des verbes très forts. La première chose, quand Dieu visite, Dieu voit. Amen. Il dit, j'ai vu. Deuxième chose, reviens mon fils au passage. Non seulement j'ai vu, deuxième chose, j'ai entendu. Quand Dieu veut visiter, prendre soin, prêter attention au traitement, il arrive maintenant que Dieu voit. J'ai vu le combat de mon fils. J'ai vu les barrières. J'ai vu les nombres des ennemis. J'ai entendu les cris. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit cette révélation. Tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Lisons. Huitième verset. 2:3. Je suis descendu pour faire quoi? Pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter. Troisième chose, quand Dieu visite, on monte. Amen. Quand Dieu visite, on fait quoi? On monte. C'est pourquoi Joseph leur dit, mon Dieu vous visitera et il vous fera remonter. Il n'y a pas visitation sans déplacement. Il n'y a pas visitation sans un mouvement. Amen. De quitter d'un point vers un autre point. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que j'arrête ou que je continue, oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Reviens au verset, mon fils. Reviens. Ce n'est qu'une petite introduction de l'introduction. Alléluia.
Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule quoi? Le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Je vous pose la question, c'est quoi ce pays où coule le lait et le miel? Répondez-moi. C'est quel pays? Canaan. Oh, n'hésitez pas, c'est quel pays? Canaan, n'est-ce pas? Canaan. Donc, Canaan ici, Canaan, c'est l'image de quoi? Canaan est l'image de deux choses. La destination, lobby, la destinée. Amen. Lobby na si ko zali ko kende. Amen. Canaan est l'image de la destination, de la destinée. Paye à lobby. Quand Dieu visite, c'est pour que tu entres dans ta destinée. Quand Dieu visite, c'est pour que tu entres, que tu saisisses ta destinée. Amen. Je ne sais pas si je parle à l'église, il faut qu'on continue ou qu'on arrête. Quand Dieu visite Évariste, c'est pour la destinée. C'est pour la destinée. Qui a une destinée en ces lieux? Qui croit en une destinée en ces lieux? Quand Dieu visite, c'est pour que tes pieds puissent fouler le pays où coule le lait et le miel. Là où il n'y a pas les cris de douleur, là c'est le lait et le miel, le repos, la tranquillité, la joie, les actions de grâce. C'est ça ce que Dieu fait quand il visite. Amen. Lève tes mains, dis après moi, j'ai une destinée. J'ai une destinée. À cause de la visitation divine. À cause de la visitation. Aujourd'hui. Et maintenant. J'accède. Dans ma destinée. Amen. J'accède. Dans ma destinée. J'accède. Dans ma destinée. Amen. Quand Dieu nous visite, ma mérite, c'est pour que nous entrons. Nous saisissons la destinée. Quelqu'un est en train d'entrer. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est en train d'entrer. Je le répète encore, tu es en train d'accéder. Nous sommes avec toi. J'ai dit, tu es en train d'accéder. Amen. Tu es en train de faire quoi? D'accéder. Luc, mon dernier passage. Cette destinée-là que les esprits, les démons, les principautés combattent. Quand Dieu te visite, c'est pour te faire remonter dans le pays qu'il a prédestiné. Je parle de Canaan. Amen. Je célèbre Dieu pour ta destinée. Je dis vraiment, je célèbre Dieu pour ta destinée. Amen. Vraiment, je dis, je célèbre Dieu pour ta destinée. Chacun, quand visite, il entre dans sa destinée. Ce qui fait que peu importe le nombre d'années, quand Dieu visite, c'est le temps. Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ils ont fait 430 ans. Mais quand Dieu décide de visiter, c'est le temps. Amen. C'est le temps. Dieu visite quelqu'un ce soir. C'est le temps. Mon dernier passage. Luc 7, 11 à 16.
Dieu visite. Ce qui nous a dit la biso. Des problèmes. Ma cambo na biso. Deviennent les problèmes de Dieu. Et comme ma cambo en Zambé. On peut lire. Totanga. La Bible dit. Bible lobby. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Dis après moi, un mort. Un mort. Fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, Alléluia. Ne pleure pas. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Répète-lui cette fois droit dans les yeux. Dis-lui, ne pleure pas. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Ne pleure pas. Amen. Amen. Le verset qui suit. Pourquoi ne pas pleurer? Le Seigneur l'ayant vu, il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Alléluia. Écoute le verset 16e. Tous furent saisis de crainte et y glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et la suite. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Oh mon mandi kobaga. Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Ça veut dire quand Dieu nous visite, ce qui était mort reprend la vie. Je ne sais pas qui je suis en train de prophétiser. Quand Dieu nous visite, ce qui était mort reprend la vie. Là où il y avait la mort, il y aura la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Ce qui est resté immobile va devenir mobile. Ce qui était resté fixe va connaître les mouvements. Parce qu'un mort est immobile. Un mort ne fait pas de mouvement. Mais quand Dieu visite, la vie retourne dans les corps. La vie amène les mouvements. La vie amène les déplacements. La vie amène les mouvements. La vie amène les mouvements. Je prophétise sur la vie des 43 personnes en ces lieux. Un mouvement surnaturel. Je prophétise sur la vie des 43 personnes en ces lieux. Un mouvement surnaturel. Quand Dieu visite ce qui était mort, ça reprend la vie. Même si tu avais perdu un don, tu les récupères ce soir. La vie des prières, tu la récupères ce soir. La sensibilité spirituelle, tu la récupères ce soir. Tu avais perdu l'argent, tu le récupères ce soir. Tu avais perdu la beauté, tu récupères ce soir. Tu avais perdu l'éclat, tu récupères ce soir. Tu avais perdu le travail, tu récupères. Quand Dieu visite, il y a la résurrection. Je dis quand Dieu visite, il y a la résurrection. J'annonce la résurrection. Quand Dieu visite, il y a la résurrection. Si c'est ta parole, donne un amen très fort. Si c'est ta parole, donne un amen très fort. Même toi qui me suis, quand Dieu visite, tout ce qui était mort reprend vie. La mort, c'est l'image d'être statique, rien ne bouge, tout est immobile. Mais quand la vie revient dans le corps, on va bouger, on va marcher, il y aura des mouvements. J'annonce à quelqu'un que quand Dieu visite, il y a un déplacement. Quand Dieu visite, il y a un mouvement. Quand Dieu visite, ce qui était mort reprend la vie.
Je prie que Dieu te visite ce soir. Je dis, je prie que Dieu te visite ce soir. Que Dieu visite ta santé ce soir. Que Dieu visite ta vie ce soir. Quand Dieu visite, ce qui était mort reprend vie. Les affaires qui étaient mortes reprennent vie. Les relations qui étaient mortes reprennent. Je dis, les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Là où il n'y avait plus de mouvement, il y aura le mouvement. Je ne parle pas, mais je prophétise sur des choses que Dieu des alliances est en train de faire. L'enfant est revenu à la vie et on a dit Dieu a visité son peuple. Quand Dieu visite, ce qui était mort reprend la vie. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare à partir d'aujourd'hui que la saison statique s'arrête. Que la saison statique s'arrête. J'ai dit que la saison statique s'arrête. Ton amen est plus fort et Dieu le fait dans ta vie. J'ai dit la saison des choses statiques s'arrête. Je commande les mouvements surnaturels dans ta vie. Je commande les mouvements surnaturels dans ta santé. Je commande les mouvements surnaturels dans tes finances. Je commande les mouvements surnaturels dans ta famille. Reçois ces mouvements au nom de Jésus. Quand Dieu visite, là où il y avait la mort, il y aura la vie. Là où il y avait la pauvreté, il y aura la richesse. Là où il y avait la malédiction, il y aura la bénédiction. Là où il y avait la stérilité, il y aura la fécondité. Là où il y avait la maladie, il y aura la guérison. J'annonce dans ta vie la visitation de Dieu. J'ai dit, j'annonce dans ta vie la visitation de Dieu. Que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. J'ai dit que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que tes combats deviennent les combats de Dieu. Ce soir, même certains rêves que tu as vus là, où tu as vu des choses négatives, pendant que je prie, je suis en train de changer les choses négatives en positives. J'ai dit, je change les choses négatives en positives. Ce que tu as vu de négatif dans les rêves n'arrivera pas. J'ai dit, ce que tu as vu de négatif dans tes rêves n'arrivera pas. Qui reçoit ces paroles? Ce que tu as vu de négatif n'arrivera pas. Koulabasata bayagabaya. Quelqu'un va s'aimer, il déclare la visitation divine. Quelqu'un va s'aimer, il déclare la visitation divine. Déclare que Dieu me visite. Tu bats tes mains, tu déclares que Dieu me visite. Là où il y avait la mort, il y aura la vie. Là où il y avait les mauvaises nouvelles, il y aura les bonnes nouvelles. Là où il y avait la dimension statique des choses, il y aura un mouvement. Come on! Compris. Prie dans la direction que tu sens. Que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Déclare à partir d'aujourd'hui, finis la vie statique. Finis de rester au même niveau. Finis de rester aux mêmes choses. Finis de rester aux mêmes réalités. Un mouvement surnaturel. Un mouvement surnaturel. Un mouvement surnaturel. Quand Dieu nous visite, ce qui était mort reprend la vie. Les parties mortes de ton corps, même dans ton corps, reprennent la vie. C'est la première prière, on va faire la dernière et on va arrêter ces cultes.
Rassure-toi que tu pries. C'est la première, on va faire la deuxième et on arrête ces cultes. Quand Dieu visite, il prête attention à ta vie. Quand Dieu visite, il prend bien soin de ta vie. Ce n'est qu'une toute petite introduction. Une toute petite introduction. Mais qu'elle te révolutionne. Aïe, 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 aïe. Yes, sababa. Ilo, sababa, baba. Tu prends soin de moi, tu prends soin de mes problèmes, tu prends soin de mes besoins, tu prends soin de tout, tu prêtes attention autrement à ma vie, tu prêtes attention autrement à ma famille, tu prêtes attention autrement à mes problèmes, tu prêtes attention autrement. Ilo Sobala. C'est la première prière avant qu'on fasse la deuxième. Dieu est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de visiter son peuple. Quand ils ont vu ces morts revenir à la vie, ils ont dit, Dieu a visité son peuple. Dieu a visité son peuple. Quand Dieu visite, ce qui était mort reprend la vie. Là où il y avait la mort, il y aura la vie. Là où les choses ne bougeaient pas, les choses commenceront à bouger. Là où on restait qu'au même niveau, on va aller au-delà, on va aller au-delà, on va aller au-delà. Aujourd'hui est le jour de quelqu'un. Aujourd'hui est le jour de quelqu'un. Ce soir est le soir de quelqu'un. Ce soir est le soir de quelqu'un. Aujourd'hui ici. L'Éternel visite un couple. L'Éternel visite une famille. L'Éternel visite un couple. 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 Yele Shiravana. Quand Dieu visite, là où il y avait la mort, il y a la vie. Là où il y avait les célibats, il y aura le mariage. Amen. Là où il y avait la stérilité, il y aura la fécondité. Amen. Quand Dieu visite, Amen. Il prend bien soin de toi. Quand Dieu visite, il prête autrement attention à ta vie. Tes ennemis deviennent ses ennemis. Tes problèmes deviennent ses problèmes. Tes fardeaux deviennent ses fardeaux. Tes larmes deviennent ses larmes. Tes douleurs deviennent ses douleurs. Oh. Mikumba na yo ezalakande maya miswanzam
Yangotala tina po kwalelo. Akiti pona kotala yo. Akiti pona kotala yo. Pona koka usama emis. Pona kosili sabasina yo. Pona kosili samadan. Pona kopenga na liwa. Akiti pona kopesa mamoi. Esika liwa izalaki. Zama ekotala. Zama ekotala yo. Que tous ceux qui sont assis se lèvent. Nous faisons la dernière prière. Sois connecté. Ce soir est pour quelqu'un. Et tu te rappelleras. Tu te souviendras de ce soir. Quand Dieu visite, il s'ingère dans nos problèmes. Il s'ingère dans nos dossiers, dans nos combats. Et les choses ne restent plus le même. Et il y a des gens ce soir. Et Dieu visite de manière vraie et réelle. Tes problèmes ne seront plus à toi. Ils vont devenir à Dieu.
quand Dieu visite, s'il y avait la mort, il y aura la vie. Et la vie, c'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Je veux que tu puisses prier dans quelques minutes en déclarant qu'à partir de ce soir, tu décrètes une saison des mouvements surnaturels de Dieu dans ta vie, dans tes finances, dans tes projets, dans tout ce qui te concerne, dans ta famille. De ta bouche, tu décrètes une saison de mouvements surnaturels. Déclare après moi au nom de Jésus. Quand je vais prier, en battant mes mains, moi, Vicky de Saché, je décrète et déclare, à cause de la visitation divine, une saison de mouvements surnaturels. Dans tous les domaines de ma vie, une saison des mouvements positifs, des manières surnaturelles dans ma vie. Bat tes mains, commence à déclarer cela. Yes, Lord. Il dit, mon Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays. Remonter de ce pays. La visitation vient avec les mouvements. La visitation vient avec les déplacements. La visitation vient avec la montée. La visitation vient avec un mouvement. Un mouvement dans ton travail, un mouvement pour ton mariage, un mouvement pour tes projets, un mouvement dans les finances, un mouvement. Quand Dieu visite, c'est pour remonter. Quand Dieu visite, c'est pour remonter. Tu ne peux plus rester au même niveau, au même problème, à la même réalité, au même tableau des choses. Quand Dieu a visité, oh, je sens la faveur. Je sens la faveur. Je sens la faveur. Quelqu'un est en train de sortir de quelque part. Quelqu'un est en train de sortir de quelque part. Pendant que tu pries en battant tes mains là, tu es en train de sortir de quelque part. Vers là où Dieu t'attend. Vers les lieux de ta destinée. Vers ta destinée. Vers ta destinée. Vers ta destinée. Vers ta destinée. Tu es en train d'aller quelque part. Même toi qui me suis, tu es en train d'aller quelque part. Même toi qui me suivras, tu es en train d'aller quelque part. Il se vous fera remonter jusque dans ce pays où coule le lait et le miel. Il parlait de Cana. Tu as une destinée et il est temps d'accéder à cette destinée. Dans tes études, un mouvement positif. Dans tes finances, un mouvement positif. Dans tes affaires, un mouvement positif. Dans ton projet de mariage, un mouvement positif. En toutes choses dans cette église, des mouvements positifs. Dans les finances, des mouvements positifs. Quand Dieu visite, tu ne restes plus au même problème. Alléluia. Jagi de la gambo, Tigragi la dragi la doga, de
déclare-les de ta bouche. 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 Là où on ne t'acceptait pas. Déclare-les de ta bouche. Là où c'était difficile. Déclare-les de ta bouche. Là où il y avait comme la mort. Déclare-les de ta bouche. Mori mori batiza, diabilia masupra vida ege. Déclare une saison, déclare une saison. Tu déclares que de ma bouche, je déclare une saison de mouvement surnaturel, de mouvement surnaturel. Je déclare une saison de mouvement surnaturel. L'enfant qui était mort a repris vie. Ça veut dire qu'on le fait, on le verra faire des mouvements, des mouvements. Quand tu es visite, il y a des mouvements. Jésus. Saisis cette prière. Saisis ce moment. Hey, Nimama. Hey, Lozani Amerga Baba. Mouvement et zomba. Fais cet exercice. Même ceux qui sont à genoux, levez-vous. Non, restez, toi, restez. Ceux qui sont à genoux, levez-vous. Reste là où tu es. Je ne t'ai pas demandé forcément de te déplacer. Lève-toi seulement. Même là où tu es. J'ai dit, quand Dieu visite, il y a un mouvement. Qui croit en ça? Parce que quand un mort revient à la vie, il fera des mouvements. Quand Dieu visite, c'est pour nous faire remonter Évariste au pays où Koulélé et quoi? Soulève un peu ta jambe droite. Quand tu as soulevé là, quelqu'un a bloqué ça? Répondez-moi. Quelqu'un a bloqué ça? Ok, redescends. Quitte ça. Soulève encore. Tombola lissus. Là, je parle de la jambe droite. Quelqu'un l'a bloqué? Ramène-le par terre. Relève-le la dernière. Tombola lissus. Quelqu'un l'a bloqué? Maintenant, fais prophétiquement cet acte. Sala nandenga lisa quoi et ça vers l'avant comme ça. Allez-y. Garde ces pas là. Quelqu'un t'a bloqué? Je peux déclarer sur toi. Amen. À partir de ce soir, Tel que tu as fait un pas, yes. Là on ne pensait pas te voir. Amen. Là on ne pensait pas te voir. Tu es entré là-bas maintenant. Amen. Là où tu ne pensais pas arriver.
Comme ton pied a fait le pas là, j'ai dit tu es déjà arrivé. Amen. Est-ce que c'est vrai cet amen que tu es en train de donner? Alléluia. J'ai dit là où tu pensais arriver là, tu vas y arriver. Amen. Là où tu devais entrer, tu es en train d'y entrer. Amen. Là où tu devais arriver, tu y arrives au nom de Jésus. Amen. Tel que tu as fait le pas, je déclare que tu y es déjà en cet endroit là. Tu y es déjà dans ces mariages là. Tu es déjà dans ce travail là. Tu es déjà dans cette promotion là. Tu es déjà dans cette élévation là. Tu es déjà dans cette gloire là. Tu es déjà dans cette destinée là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on te regardera partir de ce soir, on te verra dans ta destinée. Je les prophétise sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Fais maintenant la dernière prière. Garde la soukha. Déclare après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je vais prier. Pendant que je vais prier. En battant mes mains. En battant mes mains. Tous mes ennemis deviennent les ennemis de mon Dieu. Les ennemis de mon Dieu. Bat tes mains, déclare-le au nom de Jésus. Comment? Avec ton pardon. Vas-y. Dieu visite, nos ennemis deviennent ses ennemis. Avec ton pas que tu as fait prophétiquement. Comment? Il dit ces Égyptiens que vous avez vus, vous ne les reverrez plus. Ceux qui t'attaquent la nuit là, déclare que maintenant ils ne sont plus tes ennemis. Yeah. Ils sont les ennemis de Dieu. Yeah. Ceux qui combattent ta santé, alléluia, déclare qu'ils ne sont plus tes ennemis. Yeah. Ils sont les ennemis de Dieu. Yeah. Ceux qui combattent ta promotion, ceux qui te créent des problèmes au travail, déclare qu'ils ne sont plus tes ennemis. Ils sont les ennemis de Dieu. Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui veulent que tu meurs avant le temps, déclare qu'ils ne sont plus tes ennemis, ils deviennent les ennemis de Dieu. Ceux qui attaquent ton intelligence, ceux qui bloquent tes affaires, déclare qu'ils ne sont plus tes ennemis, ce sont les ennemis de Dieu. Tous ceux qui sont comme ennemis de cette église, ce soir, je les déclare comme l'ange établi. Ils ne sont plus ennemis de cette église, mais ils sont ennemis du Dieu de cette église. Ils sont ennemis du Dieu de cette église. Le Dieu de cette église est ennemi des ennemis de cette église. Amen. L'obabasia. Libabayate. Libobobochaka. La boubouika la kekama. Libakato poko porokoboka. Esther a prié. Mardoché a prié. Ceux qui étaient avec lui ont prié. Dans les sphères spirituelles, les choses ont changé. Pendant que tu bats tes mains et tu pries, tu es en train de changer les choses dans les mondes spirituels. Tu es en train d'interrompre des événements dans les mondes spirituels. Tu es en train de changer des calendriers sorcelleriques et sataniques dans les mondes spirituels. Même toi qui me suis ou qui me suivras, fais cette prière avec tout ton cœur. Tous les ennemis de ton travail, tous les ennemis de ta promotion, tous ceux qui ne veulent pas te voir avancer, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui t'attaquent le jour, la nuit, ils deviennent les ennemis de Dieu. Hey Shabaka, Keramon Sandelege, Tulia Lavataha. Rabi kopo po roko po roko po. Acha tondo. Acha tondo. Acha tondo. Acha tondo. Radodis. Rododosis. Rododia tizagi. Ridalia chakaradeke. Erda itala chotokorogi. Sakira no koto roko zogote. Kirido luka jukata kamayateke. Ta main droite. Déclare après moi. Tatola na simatata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Ce soir.
les Égyptiens, les Égyptiens que j'ai longtemps vus, que j'ai longtemps vus, je ne les reverrai plus. Je ne les reverrai plus. Je décrète et je déclare. Je décrète et déclare. Je les prophétise sur ma vie. Je les prophétise sur ma vie. Parce que Dieu me visite. Parce que Dieu me visite. Les Égyptiens que j'ai longtemps vus, j'ai longtemps vus, je ne les reverrai plus. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Fais la dernière prière dans quelques minutes. Lève maintenant tes deux mains. Dis à Jésus, je reçois maintenant le renouvellement dans la puissance de la résurrection. Afin que tout ce qui était mort en moi, afin que tout ce qui était mort en moi ressuscite. Ressuscite. Afin que les relations qui ont été tuées, afin que les relations qui ont été tuées, parce qu'elles sont importantes pour ma vie, parce qu'elles sont importantes pour ma vie, qu'elles ressuscitent. Qu'elles ressuscitent. Afin que les opportunités, afin que les opportunités que j'ai eu à louper, que j'ai eu à louper, soient rattrapées. Soient rattrapées. Seigneur, Seigneur, répands sur moi. Répands sur moi. La puissance, la puissance de la résurrection, de la résurrection, afin que tout ce qui était mort, tout ce qui était mort en moi, en moi, ressuscite, ressuscite, que les dons morts, que les morts, ressuscite, ressuscite, que les grâces mortes, que les grâces mortes, ressuscite, ressuscite, que des sommes d'argent que j'ai touchées il y a longtemps, d'argent que j'ai touché il y a longtemps ressuscite, ressuscite, que des relations importantes, des relations importantes ressuscite, ressuscite, que des éléments importants, des éléments de importants de ma destinée, de ma destinée ressuscite, ressuscite. Seigneur, Seigneur, je veux cette puissance, je veux cette puissance. Lève tes mains, tombe la main. Fais-le plus que ton voisin. Demande cette puissance. Prie. Bondela. Jonathan, sois prophétique. Prie. Vendi, sotto vini, mandrivi, nesta un'e
déjà avancé. Shadaka Padre Lohet. Tarawa Taunyan, Tawan, Tawania. Tawenda, Temun, Tebolubino, Message. Sapojito, Takesubli. Corralanze et Shawota, Elo. Retawa, Elo, Shabute. Oh, Shabute. Oh, Shabute. Shabute, pinta chavo meze uchemu, shabute ligi asongu, pinta aponge dute uche, rututu amunja wa. Qui demande la puissance? Qui demande la puissance? Qui demande la puissance? Dis Seigneur, je demande la puissance de la résurrection. Celle qui restaure les relations. Elle restaure des anciens grands marchés. Elle restaure des anciennes faveurs. Tu avais des faveurs à gauche, à droite. On t'acceptait facilement. Les choses marchaient bien pour toi. Pendant que nous prions, je sens les vents de cette puissance. 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 Il y a des miracles dans la salle. Il y a la puissance dans la salle.
Lève tes deux mains dans sa présence. Nous servons un Dieu vivant. Ouvre ton cœur, sois connecté. Lève tes deux mains très bien. Un signe d'abandon et de vouloir recevoir. Tu vas sentir cette puissance. Tu vas la sentir. Elle va te pénétrer. Oh mon Dieu. Lève ses mains bien tes mains. Elle est là. Elle est là, cette puissance. Il y a tellement de choses que Dieu est en train de faire pendant ces moments. Si tu peux être connecté. Reçois cette puissance. 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 Les dons perdus reviennent. Les grâces perdues reviennent. Les faveurs que tu avais reviennent. Les opportunités qui venaient facilement à toi reviennent. L'odeur positive que ta vie avait revient. Il y a des gens qui sont saisis par cette puissance. La puissance est tellement là. Dieu fait un travail de fond.
dans les vies de plusieurs personnes. La dame ici en noir devant moi. La puissance de Dieu tombe sur elle. Il y a tellement de choses. Ce soir, même l'étoile qui a été volée revient. La puissance de la résurrection est en train de faire un travail. Dieu visite cette femme. En fait, il y a plusieurs personnes que Dieu visite ce soir. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens que Dieu visite ce soir. Beaucoup de gens que Dieu visite ce soir. Oui. Beaucoup de gens que Dieu visite ce soir. Beaucoup de gens que Dieu visite. Dans ces rayons de Maman Claude ici. Il y a beaucoup de gens que Dieu visite ce soir. Et ça va te bénir les ambassades. Ici. Jonathan, donne-moi une mélodie prophétique. Il y a des gens que Dieu visite dans ces rayons ici. À partir d'aujourd'hui, là où on ne pensait pas te voir. Et si Kababanza qui te commande, on te verra là-bas. Là, on ne pensait pas que tu vas arriver. Tu vas y arriver. Levez les mains. Il y a 14 personnes dans cette salle. C'est là où j'arrête. Le Seigneur me dit, ces 14 personnes vont marcher avec la puissance de la résurrection. Elles sont au nombre de 14. Je corrose au baïkan. La cloucha. Elles sont au nombre des cartes. J'ai vu Malaïka dans cette équipe. Je suis en train de compter. De 1 jusqu'à 4. Et l'Éternel va me faire voir ces gens-là. Si Dieu m'a oué, et parce qu'il m'a oué, si je me tiens dans la présence de Dieu, et parce que je me tiens dans sa présence, la puissance là, quand elle va tomber sur ces personnes, papa, on ne saura pas te maîtriser. C'est le signe ce soir. Je me rappelle du jour où Dieu m'a visité. Je me suis retrouvé propulsé à 2-3 mètres. Ma Bible est déchirée, c'est ça. Yes. C'est ça. On ne saura pas te supporter. Allez-y. Je dis, ils sont au nombre de 14. C'est brutal. Reçois la puissance de la résurrection. Marche dans 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 la puissance de la résurrection. Oh mon Dieu, marche dans la puissance de la résurrection. Marche dans la puissance de la résurrection. Elle ressuscite ce qui était mort en toi. Elle ressuscite ce qui était mort. Dès qu'on est à 14, on vous mérite. Voilà, c'est ça ici. C'est ça ce qui se passe. Le soir, c'est la mafia. Le soir, c'est la mafia. C'est
ça ce qui se passe. La puissance de la résurrection. Ici devant moi, ici devant moi. Levez les mains, recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. À partir d'aujourd'hui, quand tu déclareras, les choses arriveront. Et son nombre de 14. Pendant ce moment que toutes les sœurs tiennent leur ventre. Tiens le ventre, tiens ton ventre. Si tu es une femme, tiens le ventre. La puissance de la résurrection. Tiens le ventre si tu es sœur dans ces lieux. Tu es une femme en ces lieux. Tiens bien ton ventre, vite, vite, vite. Pendant ce moment, tous les projets de stérilité sont en train d'être annulés. Tous les projets de stérilité sont en train d'être annulés. Tous les projets de stérilité sont en train d'être annulés. Tous les projets de stérilité sont en train d'être annulés. Est-ce que les femmes peuvent tenir leurs ventes? Simbali Bumunayo, si tu es une femme. Simbali Bumunayo, suis l'instruction. Tiens ton ventre si tu es une femme. Tous les projets de stérilité sont en train d'être annulés. Sont en train d'être annulés. Sont en train d'être annulés. Même toi qui me suis, tiens ton ventre. Les projets de stérilité sont en train d'être annulés. 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 Il y a un changement dans les organes. Dans ton organisme, un nouveau vent. Que tu constatais dans normal. Attends ma camionneau soit somme comme un commun. Dans ton ventre. N'a qu'à tenir pour mon aïeux. Femme ce soir. Moi si n'a pas quoi les longs. Ça s'arrête. Et aussi là. Ça disparaît. Et aussi moi. Ça s'arrête. Et aussi là. Ça disparaît. Et aussi moi. Au nom de Jésus. Na combo na Yesu. Je parle des femmes. Na zobetali solobas. Je parle des femmes. Na zobetali solobas de quoi bas. Tout ce que tu constatais. Yo sois un commun. Dans normal dans ton ventre. Yamabé n'a qu'à tenir pour mon aïeux. Ça s'arrête. Et aussi là. Ça disparaît. Zolimoa, ça s'arrête. Zosila, ça disparaît. Zolimoa, ça s'arrête. Zosila, ça disparaît. Zolimoa, au nom de Jésus. Combo na Yesu. Reçois ta délivrance. Yambabo kango la minayo. 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 L'esprit du Seigneur est sur moi. Pour la délivrance. Il m'a ouvert. 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 Pour la délivrance. Même des choses qu'on a eu à te faire manger. Dans l'intention de détruire quelque chose dans ton corps. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois maintenant ta délivrance. Tiens bien ton ventre, déclare après moi. Je reçois. Je reçois. C'est tellement faible. Je reçois. Je reçois. Maintenant. Ma délivrance totale. 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 Tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans mon ventre, sort, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Coramans Kerenga. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans ton ventre. Na katiali bumunayo. Que ça disparaisse. Ezoli moi. Que même des mouvements anormaux. Dans ton corps. Na katanzoto nayo. S'arrête. Esti là. Maintenant. Sikawa. Maintenant. Sikao. Il y a même des sœurs maintenant. Elles ont en elles comme une sensation. Bazala na posa. Comme des toussées au fait. Il y a kokosola. J'ai entendu cela. Ayokiango. N'étouffe rien. Laisse Dieu te visiter. Quand Dieu visite, il délivre aussi.
Quand Dieu visite, il délivre aussi. Laisse Dieu te délivrer. Tu kan zamba kangola yo. Que ce travail soit profond. Mon salon n'a mon zindo. Soit permanent. Que ce travail soit profond. Et la peine mon zindo. Que ce travail soit profond. Et la peine mon zindo. Que ce travail soit profond. Que toute ténèbre en toi disparaisse. Mon lilino sokatina yo eli moi. Que toute ténèbre en toi disparaisse. Je dis que toute ténèbre en toi disparaisse. Mon lilino sokatina yo eli moi. J'ouvre l'emploi de plusieurs personnes dans ces lieux. Amen. Je dis j'ouvre l'emploi de plusieurs personnes dans ces lieux. Amen. J'ouvre le travail de plusieurs personnes dans ces lieux. Amen. J'ouvre la promotion de plusieurs personnes dans ces lieux. Amen. J'ouvre la promotion de plusieurs personnes dans ces lieux. Amen. J'ouvre le travail de plusieurs personnes dans ces lieux. Amen. C'est prendre vos autorités. On t'engagera sans difficulté. Alléluia. Dans la facilité. Contrôlez-la. Touche juste sa tête, c'est du feu. Elle va brûler fortement. Touche bien sa tête. Touche bien sa tête. C'est par là que la délivrance arrive. Come on. Sort de quelque part. Et son intelligence même est libérée ce soir. Dieu visite Marlène ici. Je vois une ombre négative la quitter. Et puis je vois une ombre positive venir. Parole de l'Éternel, c'est aujourd'hui que l'Éternel vient d'arrêter tout ce qui combattait ton mariage. La voie devient claire. Le chemin devient clair. La voie devient claire. Le chemin devient clair. Et Dieu qui le fait pour toi, il le fait pour quiconque est connecté en ces lieux. Il le fait pour quiconque est connecté en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, déclare après moi, je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Pourquoi tu parles faiblement? Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. Totale. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you.
tout celui qui avait amené sa bouteille d'eau. Prends-la. Seulement sa tête, Olivier. Touchez la tête de cette femme, de cette fille. Je parlais de la tête. Tu as ta bouteille, sors là. Même toi qui me suis, tu peux te connecter aussi. Le surnaturel a toujours besoin d'un objet. Ça peut être de l'huile. Ça peut être de l'eau. Ça peut être un habit. La Bible dit on prenait les vêtements qui touchaient les corps des apôtres. Et on allait appliquer ça sur des malades. Micro de gond des obras du Vatusa Frataba. Ouvre cette bouteille. Même toi qui me suis, prends une bouteille d'eau. Prends ce point de contact. Nous croyons en ces choses. Nous croirons en ces choses. Dagirai de Gorenge de Gros Troga Vedrai da Caparo de Vria Sopra La Harise Nor Vortive Saida Pro de Gavages Rai Levante Gorongo. Soulève les bouteilles. Tombola Molangino Mai. Ouvre-la, soulève-la très bien. Présente-la devant Dieu. Begram. Talisango Libosson Anzambe. Kilora de Ai Levros. Shafai. Bivouan de Sovash Afikre Egel Prahavirji. Laudro idovasta havestra hava clare le etesta vai. La irbilon trovo osparan aide heimi. Mistra haloi de hivai clo. Baglo de itzai di plore vaclante es de vi proble. La glo vitesta fi racla aloi de evir. Lidolusa alva raman de taligani edos. Chi è bod ad averde e l'on crea di clante paure. Wastu rivande clia sciude e drevla a nove. Stavar al preclan di visco rivi. Luria di stovera e clai de ponte stovido plai clarahi. La hurle walis para nove shaida. Bastire l'aidoli don stegali alai. L'oral aine manos e kiva. Pur de ilange sufari a plavre a soveni. Clai de proves. Je prie au nom de Jésus. Que cette bouteille que tu as dans ta main, en touchant une bouteille, c'est une manière d'imager toutes les autres bouteilles. Lève bien ta bouteille. Je commande que cette eau devienne le véhicule du surnaturel. Alléluia. Je commande que ça soit le véhicule du surnaturel. Alléluia. Je commande que ça soit le véhicule du surnaturel. Alléluia. Autant on appliquait les linges sur le corps des apôtres et les malades étaient guéris. Mm. Que cette eau soit porteuse du surnaturel. Amen. Partout où tu utiliseras cette eau, que les signes se produisent. Alléluia. Que les miracles se produisent. Amen. Que les délivrances s'opèrent. Amen. Que les choses changent. Amen. Que des témoignages extraordinaires soient suscités. Amen. Je les décrète et je les déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prosado vagara sauvagi kataraka. J'affecte cette eau du surnaturel. Amen.
Oh mon Dieu, j'affecte cette eau du surnaturel. Alléluia. 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 Et que le premier à être affecté par cette eau soit d'abord toi-même. Amen. Que la mort parte. Alléluia. Que la vie vienne. Jésus. Que la mort parte. Que la vie vienne. Jésus. Que les maladies partent. Amen. Que la guérison vienne. Amen. Que la faiblesse parte. Amen. Que la force vienne. Amen. Que la sécheresse parte. Amen. Que la fertilité vienne. Amen. Que les maladies partent. Amen. Que la guérison vienne. Alléluia. Que la pauvreté sorte. Amen. Que les richesses viennent. Amen. Je déclare les surnaturels. Alléluia. Qui croit en cela? Nanandi Meliango. Qui crois en cela? Déclare après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai l'instrument. J'ai l'instrument pour les surnaturels. Pour les surnaturels. Dans mes mains. Dans mes mains. Où que j'irai. Où que j'irai. Quoi que je ferai avec. Que je ferai avec. Des témoignages énormes. Des témoignages énormes. Des témoignages extraordinaires. Extraordinaires. Des témoignages scandaleux. Des témoignages scandaleux. Vont se produire. Au nom de Jésus-Christ. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être la première personne. Je veux être la première personne à être affecté. À être affecté par les surnaturels. Par les surnaturels. Qui est dans cette bouteille. Qui est dans cette bouteille. Tu as compris cette prière. On se soliango. Tu crois en cela. On dit Meliango. Tu crois en cela. On dit Meliango. Déclare après moi, je veux être la première personne. Je veux être la première personne. À être affecté. À être affecté. Par les surnaturels. Par les surnaturels. Contenu dans cette bouteille. Contenu dans cette bouteille. La dernière fois, fait, je veux être la première personne, à être affecté par les surnaturels contenus dans cette bouteille. Contenu dans cette bouteille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bois cette eau une partie. Melanda Mwamai. Tu bois les surnaturels. Il y a même qui ont compris, ils ont commencé déjà à boire. Pendant que tu bois de cette eau, je prie au nom de Jésus. Que ton corps, ta santé soit intacte. Amen. Je dis que ton corps, que ta santé soit intacte. Amen. Je commande aussi au contact avec cette eau que tes sensibilités spirituelles montent encore plus haut. Amen. Au contact avec cette eau. Que la différence soit ton partage. Alléluia. Partout où tu utiliseras cette eau, je t'informe, les surnaturels de Dieu sera manifeste. Alléluia. J'ai dit les surnaturels de Dieu sera manifeste. Les maladies vont disparaître du corps. Amen. Et laisse-moi annoncer cela. Même si dans ton sillage, il y a des sorciers que tu ignores, quand tu verseras un peu de cette eau même dans la nourriture, ils ne seront plus mangés avec toi. Amen. J'ai dit, ils ne seront plus mangés avec toi. Si dans ta parcelle, là où tu habites, il y a des activités sorcelleries qui s'y pratiquent, en rentrant à la maison et en versant de cette eau dans la parcelle où tu habites, toutes les œuvres de sorcellerie seront détruites. Amen. Elles seront détruites. Elles seront détruites. Amen. Elles seront paralysées. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ça ne fonctionnera plus. Amen. Et c'est toi qui vas régner en cet endroit-là. Alléluia. Pense toi pour la deuxième fois. Je les vois dans mon esprit. Oh, il sait. Oh. Écoulement des sang, oh, soupçon de cancer, cancer, problème cardiaque, rhumatisme, insomnie, nerfs sciatiques. À partir de maintenant, donne-moi amen, tu es libéré. Amen. Donne-moi amen, tu es guéri. Amen. Donne-moi amen, tu es libéré. Donne-moi amen, tu es affranchi. Donne-moi amen, tu es libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Quand tu iras lundi au bureau, jette cette eau-là. Que ça mouille même un peu un mur du couloir.
quelque chose qui va se passer. Alléluia. Tu verras que toute chose commencera à se faire en ta faveur. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Qui croit en ces choses? Nananzimeli makamboy. Qui croit en ces choses? Nananzimeli makamboy. Qui croit en ces choses? Nananzimeli makamboy. Regarde ton voisin. Dis-lui ce soir. Dieu t'a visité. Zambatalio. Dis-le encore bien ce soir là. Pourquoi aller là? Dieu t'a visité. Zambatalio. Maintenant fais la dernière chose. Sala le kwasuka. Prends un peu d'eau. Zondamba mai. Mets-le dans tes mains. Chak na maboko na yo. Je viens de voir ça dans mon esprit. Tata otu komo na mon limo. Si c'est pour faire du show, je reste à la maison. Sur les apona ko pelisa miso abate bonga ki na tika. Si c'est pour faire l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi je suis là. Sur les apona ko samusa na nzambe. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Dépose ta bouteille. Prends assez d'eau. Prends un peu d'eau consistante. Les résultats tranchent les palabres. Et c'est une affaire de révélation. La terre est venue de l'eau. J'étais déjà enseigné ça. Deux Pierre nous en parle. Lave tes mains. Pendant que tu laves, prie en esprit. Comment? Allez-y. Allez-y encore très bien. Toi, tu n'as pas de l'eau? Lave tes mains. Lave tes mains. Lave tes mains. Lave tes mains. Lave. Prie, prie. Come on, come on, come on, come on, come on. Lave tes mains. Come on, come on, come on. Kilo ndakara dakaya. Monjanda kaparagondo. Mulwendo sakwara wandaga. Lave tes mains. Lave tes mains. Lave tes mains, ma fille. Kilo njada bakadi. Lave tes mains. Lave tes mains. Corandos craudi levandi kebabo. Lave tes mains. Elo chandola akarobondege. Lave tes mains. Keshu pro gavani keete. Kilo porobodo kapapa. Lave tes mains. Kendo sondo akila prat adaba. Lave tes mains. Kelo shabando bringamena. Wade wede 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 ta vurunga vidi vedovo. Sampro vidi vede de kende do arason pro. Lave tes mains. Kelado sanda la ha ibrahida. Livre des scroves les gens des braquetons. Quel long crabe du safra. Donnez-moi une dernière bouteille. Je vais vers des gens selon que l'esprit me conduit. Lave bien tes mains, lave bien tes mains. Pendant que tu laves tes mains, je décrète et déclare que tes mains soient réconciliées avec l'argent de ta destinée. Je dis que tes mains soient réconciliées avec l'argent de ta destinée. Que toutes les chaînes qui limitaient tes finances soient brisées. Je dis que toutes les chaînes qui limitaient tes finances soient brisées. Au nom de Jésus-Christ, Eramaganiga vazuturu vagashada, tarum vadikeranvinato, robo pradiki voloje ketege, que de gorani ampara dakasaya, pupupupuri baba, kindolo broko foshaka baba, maturu bakabashia, sois libre au nom de Jésus, que tout ce qui bloquait tes finances soit brisé, qu'une nouvelle dimension des miracles, signes et prodiges t'accompagne. Que ta santé soit fortifiée. Un nouveau départ dans les finances, in the name of Jesus. Hey, Jacques Pradobo. Que des contrats que tu n'as jamais signés, que tu les signes. J'ai dit que des contrats que tu n'as jamais signés, que tu les signes. Que des sommes d'argent que tu n'as jamais touchées, que tu les touches. Imalo Shandolobo Gozanganevede. J'ai dit un nouveau départ dans les finances de plusieurs personnes. Un nouveau départ dans les finances de plusieurs personnes. Un nouveau départ dans les finances de plusieurs. Et le shadow bobo sondolo brava basata. Et je dis d'abord, ma socra vidigle protégée. Ma rouse qui va dire, prie en esprit, allez-y. Prie en esprit pendant que tu fautes demain. Mandi crodege de sotro divaniga. Rabi kavo cheke prandaga. Des millions dans ta vie, ma fille. In the name of Jesus, que les vraies portes des millions s'ouvrent dans ta vie. Et le Shabada Damanda, Sobobo, Rubabando Basandelebe, Iramanda Dagaba Sondolo Borogobodo, Lucia, Vrande, Paragotaskava Yandre Gepedogo, Ei Frato Supravafa, Saprovidi Abrente Negro, Ishfarda Copera Nigavoski Ama, Maregi no Frusciu di Bregleina. I poron de sta fish ta cava, praudu li cande kilio turuva shi, aturei manicovoro to covolunda cavada, timbolo dobo sondo goferegene, esci progovono,
Kiyo la warana wa saware wendewe. Pia kuru wa manaka seke perenegede. Ra amamrete etirama. Rakiporo lokokomo. Sukia mishi akaparane. Ke mendre ke peleka. Rabulutu paradeke mi hazu pravido ke paratokre. Dieu m'a dit tout ce que je touche, les surnaturels la fête. Et je sais qu'il est fidèle aux alliances. Heya shuka paradou kamia nekema masushika paragonia imelo sandol bra idola venda raila tuka yuta tuka bolobo la bon tostomolo bronvene esti krove kai marodeklo. S'ils ont eu besoin de linge qui touchait le corps des apôtres et ils ont été guéris, oui, l'eau de ce soir est un point de contact. Kele manda kobo sokro bavanige. Ila balama sande ashubra. Quel frato manda de gebezo tolobo. Alléluia, alléluia. Alléluia. Lève tes mains, rends-lui grâce et gloire. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Eze parano. Mariba sobori mamande site leberana kata. Shaka para loko pande ligizete gere manganinga. Sekuru la mayende kepa. Jupuru bukandia. Zatara bakomomo. Manske ribandu kelobo. Tupuria di kanvri. Shibro do kopolo. Kai deplora mai. Radi el tu stivo puriaga. Mbraune mendobri. Ibrush tu pruvi sai ver kamambrende. Parado mador verina. Ashi e peraganigo. Purzati eleverna amparu di icopre esotia. Shipro gotobre amave. Esto shisho porodige. Yes, c'est toi que j'ai cherché. El paru la compote stamprae. Signe un contrat. Paradoi ke la main. In the name of Jesus. Ibalanze te. Rekeleneze ke le banaka. Supra gavolo praki baite. Sambro idovria perakonin. Eshuida. Stafai bro. Rad ai capo roto loco poro di capara di ane shapa 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 raba shaba yadaba riba kobo shada bayane gere ilu shaba krante gebra mamo. A toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur pour le siècle au siècle. Quelqu'un dit après moi, hommage à toi, Saint-Esprit. Hommage à toi, Saint-Esprit. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur gloire Jésus. À toi, Dieu. Gloire à toi, pour Dieu. Pour ces trois soirées. Des visitations spéciales. Ma vie n'est plus la même. Ma famille n'est plus la même. Ma famille n'est plus merci la même. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Fais cette prière. Ce que j'ai reçu, est un héritage. Dimanche en ces lieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Rencontre-moi. Sous une nuée. Tout autre. Et que ma vie. Ma famille. Ne soit plus la même. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tes mains n'ont jamais touché, tu vas commencer à les toucher. Ce que tu n'avais jamais expérimenté, tu commences à l'expérimenter. Ce que tu n'avais jamais pensé voir, tu vas commencer à les voir. Parce que l'Éternel t'a visité ce soir. Et au travers de cette bouteille d'eau, il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire. Et tu reviendras ici avec des témoignages extraordinaires, des témoignages scandaleux. Quelqu'un qui les croit dit plus fort, alléluia. Vous qui nous avez suivis, soyez bénis, que Dieu vous garde. Et à dimanche pour notre dernière semaine de prière en ce mois d'octobre. Partagez ces liens. Que Dieu vous bénisse. Amen.